Salut à tous, c'est Isalira et bienvenue sur la chaîne de l'Alliance 14 pour une petite vidéo tranquillou découverte sur un des derniers donjons implémentés lors du patch 4.4 qui va être du coup l'arboretum Saint-Mosian en version brutale. Donc visiblement on va aller patauger dans la gadoue, ça va être génial. Petit bain de boue, il paraît que c'est très très bon pour la peau. L'armée de libération d'un amigo. Ces mauvais âmes m'ont repoussé. Ah, rejoignez-moi sur place, je vous expliquerai tout. Du coup, on va retourner un petit peu dans l'arrière-pays de Ravania. Donc c'est cool parce que c'est une zone que j'aimais bien du temps d'Evensward. Donc je suis assez ravie d'y retourner. Et c'est le côté ouest, je crois. Ouest, est, ouest, je sais plus. Ah bah j'ai pris le bon côté, je crois. Oh là là. Mais oh, mais je suis trop forte. Avec le petit Pégase. C'est dommage que ce soit la nuit et qu'il fasse pas un super temps parce que c'est une zone qui est super jolie. Retrouver Sony, je ne sais pas comment prononcer son nom, mais bon, c'est pas grave. Non, Ifrit, va-t'en. Que vous voleriez à notre secours. Ah oui, littéralement. Midnight Dew va nous rejoindre dans un instant. Allez, explique-nous c'est quoi qui se passe. Trop mignon! Ce corpocure. Il a comme qui dirait une popoto d'enfer. Ouf! C'est cette boue qui lui donne. D'accord. Génial! La reine du débroussaillage musclé. Ok, ça roule. On va aller faire du jardinage. Retirer toutes ces mauvaises herbes. On va y aller à l'entrée, ça donne pas envie d'aller dedans. Franchement, ce tout petit passage tortueux. Eh ben on est parti hein. Espérons que... Ouh là là, ça va être long. Je pense que on va y aller en tank. Ah ça marche en stance. C'est pour ça que j'aime jouer tank. Même si là je pense qu'avec mon e-level je vais un petit peu beaucoup galérer. En vrai. C'est pas grave, il faudra que mon heal fasse son taf correctement. Waouh, la musique. Ok.
y a carrément des belladones en mob, c'est sympathique. Ah mais ils veulent que je pack. Ah, mais si vous voulez, on va packer hein, les cocos, mais... Le heal va souffrir et moi aussi. Mais je tombe sur un groupe de gens pressés. Donc bon, et ben, hein, on va faire avec. Hein. J'ai juste pas envie de les faire wiper pendant 1000 ans. Par contre, la musique est un peu angoissante quand même. Hein. Le truc un peu spectral sorti d'outre-tombe, je sais pas sur quoi on va tomber par la suite, mais... Ok, du supraéther. Ah non. Il y en a d'autres. Bah je suis trop loin, mais ils vont me suivre. Il doit y avoir des petits trucs ici, non? Ah oui, oula. J'aime beaucoup trop cette attaque. Par contre, bon, bah, niveau environnement, autant il y a des donjons qu'on voit en mode brutal qui sont un petit peu plus différents en termes de design. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose, sauf que les plantes ont l'air... Enfin, je sais pas. Ça me transcende pas vraiment plus que ça pour l'instant en termes de... d'environnement. Après, c'est des plantes, hein. Il y a quand même des donjons qui changent un petit peu plus de design que ça. Puis là, c'est le même chemin. Je trouve ça dommage, en fait. Un gros otiou là. Ah oui d'accord. Ouh là là. La pestilence en plus c'est une attaque à éviter ça parce que c'est très très méchant en général. Qui marche plus. Ah, on a un paquet. Je vois pas d'ad. Pour l'instant. Hé, hey, reviens là. Je sais pas comment j'ai fait pour l'éviter. Non, le poison. Quelque part pour en débarrasser. Ah, d'accord. Bon, faut juste pas le paquer. Dévoration. Ah ok, ça va. Waouh.
Ouais, bah là je le pense, c'est sûr. Allô? Tu te calmes avec le poison, s'il te plaît. Voilà. Je peux même pas te tanker correctement. Allez, hop, ici. Ah oui! Fodwin, c'est un tank buster, ouais, attends. C'est pas typique, mais il pique un peu. Mais. Ok, j'ai compris. Bon, un loin. Un cuisseur de soigner un bac de pisteur. On embrasse les pisteurs. Oh la chute! Oh ça c'est trop bien! J'adore ça. Ah bah voilà! À moins que... Ah non d'accord je comprends. Là on repasse sur la dernière zone du labyrinthe normal. Donc ça veut dire qu'il y aura encore une zone après qu'on n'a encore jamais découverte. Bac de protecteur. Hop là. Non mais... Rendez-le moi. Enfin... Tape trop fort, moi j'arrive plus. Ouf. Aller plus loin. Non. Ah, quoi que si. Eh bien, continuons. Bon, moi, je cupite, hein, parce que de toute façon, le loot, c'est bien. C'est beau, je fais des critiques. Pas énorme, mais je fais des critiques quand même. Ah non, revenez ici. Franchement, niveau agro, là, c'est galère. Hein. Corpo cadabra. Ah. Je pensais sincèrement que il galérerait plus que ça parce qu'au niveau des levels je suis pas forcément hyper haute. Au final ça va et j'utilise pas tant de cooldown que ça. Le cooldown défensif, pardon. Je suis mignonne. Mmh.
Après. Ah, c'était la... On avait atteint... On a atteint la litière. Ok. Ok. Les noms me laissent parfois un petit peu pantoise. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire comme mécanique, elle ? La canuche. Waouh ! Ok. D'accord. Ah, j'en serais pas sortie à temps. Allez, je vois. C'est des dynamos. C'est quoi ça? Ça, c'est un composteur. Ah non. Oula, retournez-vous. Enfin, il faut se retourner, c'est mieux. Ah, ok, d'accord. Ouais, là, c'est worse. Ok. Moi, je suis repassée dedans. Celui-là il est sympa par contre, il y a pas mal d'esquive mais j'aime bien ce genre de mécanique. Celui d'avant c'était un boss un petit peu poteau en fait, à parcourir quand il fallait rester à proximité. J'ai pas trouvé plus transcendant que ça. Ouh, allô le heal. Ah, c'est bon. Ah, il faut dire que j'ai 3 stacks de vulné, ça n'aide pas. Oui, ben finissez-le, hein. Voilà. GG. Et l'étude. Attendre la salle d'audience du roi Fangeux. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux ici? Ah oui, la bague. Ah oui, ouh. Ah oui. Alors. Oh, là c'est plus joli quand même. Enfin, j'aime mieux. Disons que c'est une nouvelle zone, quoi. Qui est très très sympa, d'ailleurs. Ça me fait penser un petit peu au jeu Rime. Il y a un niveau qui se passe dans une sorte de, pareil, de temple comme ça, où il y a beaucoup de, je vais y arriver, hein, de végétation et tout ça. Donc non, ça me plaît beaucoup. Elle est où cette grimace? Ah, elle est là. Ça va chercher quand même. Ah non, je suis en train de tout perdre! J'ai laissé le mage noir mourir. On va quand même lui demander pardon, hein, le pauvre. C'est compliqué ce pack de mobs là en fait. J'ai peut-être été un peu trop gourmande. Ah oui! Dans le doute. Allez, c'est bon, on va y arriver.
Comme vous pouvez le voir, j'ai moi aussi mes fails. J'arrive à tanker toute seule une Gemellia, mais un petit pack de mobs, enfin un gros pack de mobs dans un arboretum brutal, et je suis perdue. Bon, c'est exceptionnel. Hein. Ils insistent. Bon, ils insistent. Hein. En fait, ils vont carrément prendre l'aggro à ma place. C'est concept. Mais disons qu'après qu'ils viennent pas se prendre de mourir, quoi. Sa bénédiction, mais souvent j'ai l'impression quand même. Là j'avoue que je me suis un peu fait peur. Ah d'accord, c'est ceux-là qu'il faut focus parce que c'est eux qui font les grandes AO en fait. Un petit peu les relous. Bon là je pense qu'on arrive à la dernière salle. Ah un cantateur. Ouais non j'ai déjà mieux je pense. Je sais pas. On va les cupiter, on sait jamais. Je pense que le mage nord les prendra. Ouais. Waouh! Alors, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Ou sortir de la boue? Oh! Oh, c'est quoi ce truc? Oh, mais il est trop choupi en fait! Pourquoi je dois taper des trucs aussi choupi? Please? Tokapchi, on dirait il a un nom de Pokémon, c'est trop mignon! Je pense bien évidemment qu'il n'est pas aussi mignon qu'un Pokémon, hein. Sinon on n'aurait pas besoin de le tuer, mais... Mais il est trop choupi quand même, quoi. Une zone qui se mettait et qui est gênée. Par contre, il tombe grave vite, hein. Boule de boue. Ah, d'accord. Ah oui, non, ok. Ça ne se tue pas. Ok, d'accord. Ah, zut. C'est la musique des combats de boss d'Evensward et j'adore cette musique. J'ai l'impression de rien lui enlever, c'est horrible. Uchimuso Gadou. D'accord. Je me tâte à passer en serment d'épée. J'ai peur que niveau dégâts je prenne un peu plus cher, mais on va tester. Hein. Ouais, j'ai un peu plus mal quand même.
va falloir que je me protège moi-même en attendant. Je peux même pas lui rendre de la mana. Elle a réussi à raser deux. Ah, génial. Ah, mais oui, c'est intelligent. Surtout pas le mettre sur les autres trucs. Voilà. Non, reste où t'es. Par contre, on lui met beaucoup moins de dégâts que tout à l'heure. C'est quand les boules de boue elles explosent en fait, j'ai l'impression que ça fait. Il est sympa. On a perdu le heal. Ah mais non, on a un change. Ouais. Non, je pense que j'aime. Voilà. Bon, j'en aurais même pas eu besoin en fait. De l'inf. Mais on sait jamais. Pâté debout. Un petit pâté debout. Alors, on va déjà honorer le heal qui a quand même fait du bon boulot. Oh, elle est trop mignon. Allez. 96. Eh ben, ça aurait été un donjon, ma foi, fort, fort rentable hein, pour moi. Du coup. Oh. On va l'appeler tout de suite en sortant du donjon. À moins qu'il y ait une cinématique. Ah non. Pas tout de suite. Alors, vite, allons la chercher. Il est... Oui. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah ouais, oh j'adore. Il est trop chou. Je suis en train de me nettoyer. Non, il est tout propre. Ouais. On a encore contribué à la potentielle évolution d'Idylée.
Il me laisse toute seule sous la flotte. Bon, et ben du coup, c'était une petite découverte fort sympathique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire. Et puis, et ben, je vous dis à très vite en Eorzea. C'était Isalira pour l'Alliance 14. Plein de bisous!